Salut, salut à tous. Alors, c'est Sharky pour une nouvelle vidéo découverte pour la chaîne Actus Games sur le jeu Shadow of Mordor. Alors, nous allons lancer une nouvelle partie directement et enchaîner directement aussi sur une nouvelle cinématique que je vais vous laisser apprécier et je vous prends directement après. Alors voilà, maintenant je vous reprends après cette cinématique qui était vraiment pas mal du tout. Donc là maintenant on va commencer par un petit combat père-fils, des petites esquives, des petites attaques, enfin vous allez voir. C'est plus vite une petite prélude à l'histoire qu'autre chose, mais c'est déjà pas mal. Les textes sont assez intéressants. Hop là. Hop. Ah, voilà, il aura compris le petit. Donc là, hop, petit flashback, c'est parti, on se fait attaquer. Mais l'histoire n'est pas encore réglée, malheureusement. Là, on est parti pour aller sauver le fils à travers une armée d'orques. Donc là, voilà, on va directement enchaîner sur une sorte de petit tutoriel pour nous apprendre quelques mouvements de base, on va dire, qui vont nous servir tout au long du jeu, bien entendu. Là, raté, mince. Et voilà, on va esquiver, on va taper pour essayer de faire un petit finish, si c'est possible. On esquive, on continue, allez. Ah voilà, mon finish il est là. Ah je l'ai... Ah, j'ai même pas réussi mon macro. Par contre ça sort un peu de partout maintenant. Me saisir le chef dans les flammes, c'est bien mignon, mais il meurt pas, c'est la merde. Les combats, comme vous pouvez le remarquer, c'est assez proche d'un Assassin's Creed, c'est assez nerveux quand même. C'est toujours de l'esquive et de la contre-attaque en règle générale. Là tu peux saisir le personnage pour l'assommer histoire d'être un peu tranquille de ce côté-là. Et bon. Alors pendant que le combat se finit, je peux vite vous parler un petit peu du jeu. Tout ça pour vous dire que... Alors l'éditeur, bah, c'est Warner Bros. Et le développeur, c'est Monolith Productions. Alors on va vous laisser parler, si ça parle tout le temps. Hop là, il va partir sauver sa maman. Brave gamin. Alors sinon au niveau du type de jeu, c'est un jeu d'action et d'aventure
qui est sorti le 3 octobre. Ils n'ont qu'à dire de plus à part vous laisser de nouveau regarder les cinématiques à travers la rigote dès le début. Ça va vraiment être pas mal. Tant qu'il n'y a pas trop de tech, je peux profiter pour vous dire que le jeu sort toutes les générations. Il sort sur toutes les générations, PC, PS3, 360, PS4 et Xbox One. Donc là, ce sera un jeu pour toutes les écoles, pas de problème, tout le monde pourra se faire plaisir. Mais la sortie sur PS3 et 360 sera retardée au 18 novembre 2014. Alors de nouveau, cinématique, c'est un début. C'est vraiment beaucoup. On se croit au cinéma au début, c'est vraiment beaucoup de cinématiques qui nous plantent vraiment le décor. C'est intéressant, c'est pas spécialement dans tous les jeux comme ça, mais bon. Ça prend quand même pas mal de temps. Il y a des trucs assez sympathiques, des flashbacks un peu. Vous allez le voir. Je trouve ça magnifique. Où l'as-tu trouvé? J'ai encore quelques amis, Gondor. Tu as parlé à mon père. J'ai essayé. Il n'y a rien à faire, il est toujours aussi borné. Si on y allait quand même. Dira-elle ne voudra pas venir. Je suis certaine qu'une vie meilleure nous attend. Pas maintenant. Mais bientôt. Hop, on est reparti pour un peu de gameplay. Donc là, on va se la jouer un peu furtif, histoire de pas se faire buter par tous les orques. On se faufile, hop. Et voilà, bon. Niveau difficulté, pour le moment, il n'y en a pas trop. Parce que voilà, bon, il nous tourne toujours le dos. Donc c'est quand même pas trop compliqué, comme vous pouvez le voir. Mais bon. Il y a quand même un côté furtivité comme ça qui est pas mal. Et peut-être à développer plus tard dans le jeu, on verra bien. Pour moi, c'est un point positif. Mais non, bon, ça ne plaît pas spécialement à tout le monde. Du coup, je vous laisse de nouveau apprécier les textes et les cinématiques. Comme vous pouvez le remarquer, c'est flashback sur flashback, donc il faut vraiment essayer de suivre, pas louper un morceau, vraiment bien écouter ce qu'ils disent pour le suivi de l'histoire, c'est très important, je trouve. Voilà, c'est pourquoi je vais me taire et vous laisser apprécier la vidéo. Le Mordor. Tu me crois maintenant, Rodeur? Qu'en est-il arrivé?
Tu es banni, tu es banni d'entre les morts. Condamné à errer entre la lumière et les ténèbres. Une malédiction nous a réunis entre les ténèbres. Si ce que tu dis est vrai, il nous faut rompre cette malédiction. Nous devons trouver celui qui nous l'a jeté. La main noire de sang. Voilà, le jeu est présenté. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau scénario, bien planté dès le départ, comme ça on est avec des petites vidéos, c'est quand même fort sympathique. Les graphismes sont super sympas aussi, ça donne quand même envie de jouer, je trouve. Voilà, petit temps de chargement. Ça part quand même. Donc là, bon, on est reparti pour reforger cette épée, histoire qu'elle retrouve sa beauté d'antan. Alors, on va se déplacer, on va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Si... Alors, si débloque de nouvelles missions, de nouveaux emplacements, d'éléments à collecter sur la carte et des myrians. Alors, les myrians, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. On verra ça plus tard. Donc là, comme je parlais tout à l'heure, là, il y a... La petite référence à Assassin's Creed, c'est vraiment le saut de l'aigle. Ouais. Vraiment pas beau lui. Hop là, un nouveau joujou et on est parti. Hop là. Un petit bullet time on va dire. Je dis que ça équivaut un peu à ça. Hop, et le quatrième. Ah, même pas eu le temps, dommage. C'est un peu difficile de jouer avec un jeu qu'on vient de prendre en main, on n'a pas tellement les mécanismes vraiment apportés comme ça, quoi qu'il arrive, ça change d'un jeu à l'autre. Voilà. Et les petits ralentis comme ça sur un finish, c'est pas mal non plus, ça c'est vraiment un point important aussi, je trouve. Ils ont bien géré leur jeu. Petit combat corps à corps. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? On se pose des questions là. Suivre les ordres du grand chef. Interroger le locataire, ok. On va le prendre. Je vais peut-être l'interroger avant de le rejeter, si il y a un petit problème là. Allez, ici. Voilà. Là, tu parles maintenant. Qu'est-ce que tu sais de la main noire de son? C'est un monstre, Il n'est pas réel. Quadro. Je sais pas si vous avez fait attention, mais en attendant, je trouve que les orques sont vraiment super bien faits graphiquement, ils sont super soignés, super travaillés, comme bien d'autres personnages dans le jeu apparemment, d'après certains screenshots, vu qu'on n'a pas vraiment eu toute l'occasion d'aller vraiment beaucoup plus loin, vu qu'on découvre le jeu en même temps que vous, donc voilà. C'est vraiment l'occasion de prouver ce que je viens de dire, parce que voilà, un orque bien de face, il est vraiment vraiment pas beau quoi. Enfin maintenant on va aller le trouver, on va aller lui arranger son compte, parce que il est vraiment pas beau. Vas-y, barre-toi, alors je change d'avis. C'est là-bas que nous devons aller. On doit faire confiance à un orque. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. Voilà, c'est pas vraiment un interrogatoire, c'est plutôt
Une recherche dans son esprit qu'on a fait apparemment. Bon, c'est déjà plus fiable qu'une parole, c'est sûr. Alors, les icônes d'orée, les icônes, ok. Deux missions quasi pas disponibles, esclavagiste, le fruit du Mordor. On a un peu le choix entre deux missions, c'est sympa aussi, histoire de ne pas que, histoire que le jeu n'aille pas à côté trop linéaire. Donc on a quand même un peu le choix. Le monde a changé. Ça, je trouve que c'est un très bon point aussi. Rien n'a changé. On va se diriger vers une des deux missions déjà pour aller voir. La mission en cours qu'on a sélectionnée, elle est en train de clignoter toute bleue, donc du coup on ne peut pas se tromper. Je vais récolter une petite plante. Par contre, vu le temps qu'on a déjà passé sur ce jeu, je pense que je vais pas tarder à arrêter. Je vais vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous rappelez de liker la vidéo si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas que de vous abonner à la chaîne. Actu Games, un grand merci à vous, bye bye.